Coucou tout le monde, alors désolé, c'est le bazar. Je suis en train de faire un album et quand je fais un album, il y en a vraiment partout. Donc bon, voilà, je fais focus sur les produits. Ce matin, petite balade, le mercredi c'est mon jour de repos. Du coup, je suis allée chez Noz, chez Action. Noz, j'ai tellement l'habitude que chez Action uniquement et chez Pickwick pour voir un peu les soldes en scrap. Je vous montre donc ce que j'ai trouvé. Donc, il y a un nouvel arrivage de petites choses comme ça, de petits tampons encreurs, donc de la marque DecoTime, à 99 centimes. Je ne ferai pas de test de ces petits tampons encreurs. Il y a déjà plein de copinottes sur YouTube qui l'ont fait, donc je vous laisserai regarder. Alors là, c'est un petit peu métallisé. Là, comme je suis en train de faire un album sur le thème marin, le focus. Les couleurs, elles sont superbes. Je suis en train de faire ce petit album du tuto d'Indiana. Donc, le fameux album sur notre visite à l'aquarium de Boulogne. Et je trouvais donc que les couleurs s'y prêtaient parfaitement bien. Alors, je ne sais pas pourquoi mon focus ce matin fait des siennes. En tout cas, je sais qu'il y en a 24 à collectionner. Donc, toutes ces couleurs-ci. Donc ici c'est le numéro 2 avec les couleurs 5, 6, 7 et 8, un peu métallisées. Donc voilà, donc pour le prix c'est 99 centimes. Donc là c'est le pack numéro 2. J'ai pris ce pack-ci qui doit être le pack numéro 6. Alors je ne vous fais pas dans l'ordre. Le pack numéro 6. Donc là c'est un peu plus. Rouge cerise, bubblegum pink, watermelon et un peu cerise métallisée. Ils sont vraiment jolis, hein, franchement, pour le prix. Donc là, c'est numéro 5, c'est la série numéro 5. Donc de 17 à 20, pareil, toujours métallisé, très joli aussi. Ils font vraiment des choses sympas, ils sont quand même, hein, pour 99 centimes. J'ai pris celui-ci qui doit correspondre au pack numéro 3. Donc là, c'est plus du rose et du violine métal. Et enfin, le dernier, le vert. Donc j'ai juste pas pris la série numéro 4 avec les oranges et les jaunes, j'aime pas. Et la série numéro, donc que je vous dise pas de bêtises, série numéro 1, celle-ci. Je sais pas ce qu'il a mon focus ce matin. Voilà. Voilà. Donc dans l'ordre 4. Donc c'est le vert. Celui-ci. 8. Les violines. Les noirs et gris métallisés. Un autre. Alors moi j'ai pas pris celui-là en fait. Voilà. Orange, tout ce qui est orange, citron et un petit peu olive. Parce qu'il ne m'intéressait pas, je trouvais les couleurs pas jolies du tout. Donc voilà pour les petites encres là, j'ai hâte de les tester. Vraiment, surtout celui-ci là, c'est très très beau. Donc 99 centimes, il n'y en avait vraiment plus beaucoup. Je crois que. Voilà. Je suis désolée, mon focus il est. Ce matin. Il veut pas travailler. Donc ceci, déjà, j'ai trouvé ce dies là que je cherchais pour compléter les collections des autres. Donc toujours à 2,49. Hein, donc c'est double dies à chaque fois. Très joli pour voir les étiquettes. 2,49. Toujours chez Action, je prends les blocs, vous savez, les blocs craft, donc c'est-à-dire craft blanc et noir à 1,95 pour finaliser mon album. J'ai craqué sur celui-ci que je cherchais depuis un long moment. Ces blocs-là, j'en ai pris deux parce que je voudrais faire des petites boîtes. Alors, je le trouve très très beau celui-là. Très très vintage à souhait. Donc, pardon pour le. C'est. Voilà pour le. And they lived happily ever after. Pardon pour mon anglais. Donc, je le trouve très très beau. Je le trouve un peu shabby.
un petit peu très très beau. Là, c'est superbe cette partition de musique. Vraiment très beau ce bloc et je viens juste de le voir dans mon action, il n'y était pas du tout avant. J'adore de toute façon tout ce qui est vintage. Ici, vous avez toute une page de tags à découper. Vraiment superbe celui-là. Avec toutes les anciennes, c'est comme des petites pubs. Là, les roses, j'aime moins. Mais enfin, bon, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment très beau. Celui-ci, on l'avait déjà eu. Je l'avais utilisé pour un album que j'avais fait aussi. Très, très chouette, petite carte postale. Et puis après, ben, on retourne sur les mêmes... voilà, les petites... Oh, qu'est-ce qu'il a, mon focus? Je suis désolée pour le focus. Voilà. Avec plein de petits embellissements vintage, des petites choses là, très très sympa. Donc là, je l'ai pris en deux fois parce que je veux faire un projet avec ça. Et puis enfin, il n'y a plus grand chose, chez Pickwick, ils étaient entre moins 40 et moins 50% sur le scrap. Alors j'ai juste trouvé, d'ailleurs je sais pas comment ça se fait, j'ai trouvé 4 toutes petites mini cuillères comme ça à 50 centimes. Un petit tampon vintage de la marque Artemio que j'ai payé 50 centimes du coup. Avec le vieil appareil, le vieux téléphone. Là, le petit sympa, ça s'utilise pour tout, ça, ce genre de petit tampon clear. Et puis là, moins 40, c'était donc une boîte de la marque Aladdin. Alors, vous voyez ce qu'on pouvait trouver. Il y a un peu de tout. Des petits tampons comme ça montés sur mousse avec un petit pad. Et il y avait des trucs sympas pour les vacances. Voilà, c'est plus le thème vacances, bed and breakfast, hôtel, aventure, musée, découvert. Je le trouvais très très sympa. Donc j'ai dû le payer dans les 4 euros. Et il y en a 28 de petits tampons. Donc je trouve ça très très sympa. Au bord de l'eau, là, je vais l'utiliser celui-ci du coup. Non, je suis désolée, mon focus il fait le feignant. Aujourd'hui, il ne veut pas zoomer. Donc voilà pour mes petites trouvailles. Bah, écoutez, c'était une petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous fais de gros gros bisous et je vous souhaite un excellent mercredi. Bye bye.